Aujourd'hui, nous faisons un mauvais match. Les choses n'ont pas marché bien. Nous ratons beaucoup d'organisation et aussi peut-être la préparation de le match. Parce que, comme tout le monde connaît, beaucoup de joueurs n'est pas là cette semaine et autres semaines aussi. Et je crois que tout le monde essaye de faire les efforts pour arriver aujourd'hui à un bon niveau. Mais les choses n'ont pas marché et le foot, c'est un peu comme ça. Un jour que rien marche bien. Ce qui me dérange plus, c'est la défaite. J'ai apporté 3 points. Et nous travaillons pour gagner. Et aujourd'hui, nous apportons les 3 points. Et c'est seulement ça. Le foot, c'est comme ça. La semaine dernière, nous avons gagné 6-1, aujourd'hui, nous perdons 4-0. C'est oublier le plus vite ça et travailler ces 3-4 jours pour préparer le jeu, les matchs Allemagne. Oui, c'est fait en année. C'est en année, nous avons perdu ici aussi 4-0. Après, nous faisons 16 victoires d'affilée. Je crois que la dernière, c'est contre Lyon. Mais c'est comme ça, continuer à travailler parce que nous croyons en notre travail. Les joueurs, j'ai regardé pour le visage des joueurs, ils essayaient de donner le maximum, faire les meilleurs choix. Mais aujourd'hui, les choses n'ont pas arrivé. Les choses aujourd'hui n'ont pas marché bien. Toujours on passe raté, toujours mauvais positionnement, toujours un ballon facile qu'arrive pour le pied de l'adversaire. Et c'est comme ça. À jour, c'est mieux rester pour la maison. Non, l'équipe, c'est la même que fait les premiers 4 matchs du championnat. Parce que nous savons bien que le joueur qui arrive maintenant n'est pas en grande condition. Comme ça, bien, Ghezal, il n'est pas entraîné beaucoup, après il est sorti vite pour la sélection, il n'est pas en grande condition parce qu'il fait plus de 2 mois et demi de vacances. Aussi, Jovetic, un peu la même chose, n'a pas le rythme. Keita aussi. Après les autres, n'est pas habituellement que je joue. C'est comme ça. On essayait de faire la meilleure comp pour ce match. Bien sûr qu'un chantier nous a changé de joueurs. Nous travaillons bien sûr avec la base de l'année dernière. Et après, petit à petit, avec les joueurs qui sont arrivés, nous allons construire aussi notre base. J'ai déjà parlé de ça. Je crois que cette équipe va progresser, cette équipe va améliorer. Et ça, c'est notre objectif. Notre projet, l'équipe travaille pour progresser tous les jours. Jamais va rester prête. C'est 4 années que nous sommes ici, nous travaillons toujours, toujours pour l'objectif de faire meilleur. C'est ça notre mentalité. Pour le championnat, nous avons besoin de rester prêts au début du championnat. Mais je crois que nous allons progresser. Ça, c'est l'idée. Ça, c'est notre mentalité. Travailler toujours aux limites pour faire progresser les joueurs. Je crois que beaucoup de joueurs sont ici. Joueurs qui n'ont pas le rythme, joueurs qui sont arrivés cette année. En fin d'année, ils vont donner beaucoup plus. Donc, à un certain moment, parce que c'est normal. C'est normal quand tu changes d'équipe, tu changes de pays, tu changes de méthodologie de travail, tu changes de club, n'est pas facile.